just tries forever. Mary Lou. Bonjour Laure. Bonjour Fleur. Merci de nous recevoir. Je suis ravie. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ta marque? Alors, ça fait 6 ans qu'on a monté la marque Laure de Sagazan. On est 3 associés. Je l'ai monté avec Edouard, qui est maintenant mon mari, et Mathilde, ma cousine. Et on s'est rendu compte que sur le créneau des robes de mariée, il y avait un manque et que les filles trouvaient pas ce qu'elles voulaient. Et donc, on s'est lancé dans la création de cette boîte sans trop savoir où ça allait nous mener. L'idée, c'est de proposer des robes de mariée un peu nouvelles, une allure un peu moins endimanchée que ce qu'on connaissait. Et voilà, donc on a ouvert notre showroom à Paris, puis à New York l'année dernière. Et ça fait maintenant 6 ans que j'évolue dans le blanc, les dentelles et les robes. Trop bien. On va parler un peu de beauté. Est-ce que tu peux nous raconter les soins que tu... les produits que tu mets régulièrement Alors moi, j'ai longtemps une peau hyper eczémateuse. J'étais très allergique. Et depuis quelques années, ça va beaucoup mieux, donc je m'amuse. Alors bien sûr, je dois faire attention, j'ai la peau hyper sèche. Donc j'ai Dermalogica en sérum apaisant. J'ai Nuori que j'utilise pas mal. Et puis une crème, moi j'aime toujours bien les produits de pharmacie, donc La Roche-Posay qui est extra riche, hyper riche. Et donc j'ai ces 3 produits et j'alterne avec Estéderm, le masque que je trouve pas mal de temps en temps. Et puis les produits Aesop, j'ai toujours bien aimé ces odeurs. Et les textures, donc j'alterne. Et pour te nettoyer le soir, qu'est-ce que tu... C'est une découverte récente, la gelée micellaire hepatica, et je la trouve géniale. Je trouve qu'elle dessèche bien moins la peau que mon ancien démaquillant. Et donc du coup, ça c'est une bonne trouvaille. Cool. Est-ce que tu nous as sorti des produits maquillage? Ouais, j'en ai sorti. Donc j'alterne. Donc je démarre par l'herborie en la CC crème, que je trouve pas mal. Et ensuite, je suis assez fidèle à Laura Mercier. J'ai lu pas mal de trucs dessus. Je pense que ce sont des bons produits. Et moi, je vois la différence. J'ai une peau beaucoup moins réactive depuis que je l'utilise. Donc, j'ai le blush et puis un petit coup de fard à joues. Je suis pas très, très maquillage, mais je le mets depuis peu. Et ça, j'aime assez, ouais. Est-ce que tu peux nous transmettre un secret de beauté? Ouais, alors le secret beauté, il va vous plaire parce qu'on a démarré donc avec vous, on a proposé des soins à nos mariés depuis l'année dernière, des soins du visage en cabine. On offrait un coaching à toutes nos mariées et du coup j'ai pu moi aussi tester ces soins du visage en cabine et c'est vraiment une parenthèse qui fait du bien. Je passais jamais beaucoup de temps, je m'accordais pas beaucoup de temps beauté. Et j'avoue que c'est une petite pause dans la course effrénée du quotidien. Ça fait beaucoup de bien. Est-ce que tu pourrais nous filer nos 2 adresses que tu as découvertes récemment à Paris ou ailleurs? J'ai découvert récemment The Hoxton, qui est dans le 2e, qui est pas très très loin de notre atelier. Et j'ai assez aimé cette ambiance. Je trouve que ça sort de l'ordinaire et ça fait du bien d'avoir des nouveaux restos, hôtels dans cette veine-là. Super, merci Laure de nous avoir accueillis. Je t'en prie, c'était un plaisir. À bientôt. Merci. Wherever you stay, whatever you